Mesdames, chers membres du conseil pastoral paroissial, chers frères et sœurs dans le Christ, au nom de toute ma communauté paroissiale et en mon nom propre, je vous salue tous chaleureusement et vous souhaite la bienvenue dans votre église paroissiale. En effet, depuis l'annonce de cet événement lors de la session pastorale, toute ma communauté paroissiale avait accueilli avec joie cette nouvelle et s'était sentie honorée. Par ma bouche, la paroisse Saint-François d'Assise dit merci à notre Père archevêque pour cette attention toujours sans être renouvelée en son endroit. Porte beaucoup de joie de conversion et que du haut du ciel, notre séraphique Père Saint-François d'Assise se réjouissent de la présence de toute l'Église locale du Congo en son sein et que cette Eucharistie nous apporte joie et paix franciscaine. Je vous remercie. Ce qu'il entend dire. Il jugera les petits avec justice
tranchera avec droiture en faveur des pauvres du pays. Comme un bâton, sa parole frappera le pays. Le souffle de ses lèvres fera mourir le méchant. Justice est la ceinture de ses hanches. Fidélité, le bouclier de ses mains. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâturage. Leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le cou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il ne se fera plus rien de mauvais ni de corrompu sur ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé, père de David, sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Parole.
Chers frères, prêtres, chers consacrés, chers frères et sœurs, à Christ et à Saint François, notre Abel. À Christ et à Saint-Noir, notre Abel. Frères et sœurs, Monsieur le Président du Bédal, non, le Sénat c'est. Et vous tous, distinguées autorités, nous, évêques catholiques du Congo, en communion de prière, avec les émérites, les évêques émérites, nous sommes heureux de clôturer notre retraite annuelle au cours de cette Eucharistie qui nous rassemble ici à Saint-François. Comme d'habitude, notre retraite a été ponctuée par la méditation, par les laudes et l'Angélus le matin, l'adoration, les vêpres et l'Angélus le soir, la nuit du jeudi au vendredi. Nous, évêques, nous avons passé à prier, nous relayons devant le Saint-Sacrement de 21h à 6h du matin. L'ensemble de ces exercices a gravité autour de la célébration eucharistique en milieu de journée et le chapelet individuel à volonté. La belle Église. Amen. Frères et sœurs, pendant notre retraite, nous avons aussi ressenti combien le Seigneur
peut être aussi si nous avons des zola il y a des sujets des zola si beto mafunganga beto fana tete ou viluga tete beto kwenda utala kuzukulu ya bapaji. C'est ici que se situent les paroles de la première lecture en Isaïe 11, 1 et 10, celle de Saint Paul, dans la seconde, lettre en Romains 15, 4 à 9, et les paroles de Jean le Baptiste dans l'Évangile, en Matthieu 3, 1 à 12, tout ce que nous avons suivi. Ces paroles, qui ont retenti dans la liturgie d'aujourd'hui, bien chantées par notre diacre, et ces paroles nous ont parlé en premier, à nous évêques, en nous confrontant à nous-mêmes face à la volonté de Dieu. Justement, que dit cette parole aujourd'hui? À ce sujet, j'aimerais partager avec vous trois réflexions. Premièrement, le désert. Mambia cessé. Jean le Baptiste prêche dans le désert de Judée. Le désert. Le désert, mes frères et sœurs, peut être synonyme d'espace de silence. Aller au désert, c'est aller à la rencontre du silence. En effet, souvent emportés les uns et les autres dans le tourbillon de la vie, il nous faut des moments de désert, comme nous l'avons souligné plus haut, si nous voulons rester des hommes et des femmes d'intériorité, des croyants, car c'est dans le silence que Dieu parle au cœur de chacun. La paix de Christ. Amen. Dans le signe de la paix, tout le monde est attaqué par Mambo Mingi. Nous avons mis sur la tille, 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 cela que nous avons dit, si Kaina la Kitsun, c'est aussi ça, pas seulement ça. Pourtant, le désert est aussi un lieu d'aspérité qui rend difficile la survie. Le cœur de l'homme est comparable à l'image de cette terre aride, terre du désert. Jean-Baptiste, en prêchant au désert, s'adresse au cœur de l'homme. Le désert où se trouve Jean-Baptiste est comme un cliché, comme une photo de l'intérieur du cœur de l'homme. Si Kaina, Yohan qui baptise, que la cour, moi, mis en servir à qui est-ce, la cour sonti la mambi en zani, si Kaina cesse, que le moutine ou tima ya montu, la kati en tima ya montu, mambo mingi kele. Le cœur de l'homme est souvent un espace difficile, parce qu'il héberge aussi des maux de toutes sortes, tels que l'orgueil, les inégalités, la jalousie, la domination, la criminalité et autres méchancetés qui s'y croisent paix et belle. Et dans ce désert de confusion, quand surviennent les terribles moments de maladie grave, de la solitude, de l'échec professionnel ou du chômage, alors ce désert se transforme en terreau d'amertume et de superstition. Superstition hautement préparée pour étouffer la parole, donc armée de subtiles, résistance à la conversion, parce que tournée vers des solutions éphémères. C'est à ce désert-là que Jean-Baptiste s'adresse en appelant la conversion. La paix de Christ. Amen. La CCIN, Betmetouati, Papéan Totové, Kassi, Yake, Timayamoun. Jean-Baptiste, qui a besoin de la paix de l'intimeabet. La Katia Timayabet. Mambo Nike, Nkele Kele, Luna Nkele, Muni Nkele, Kufwape Babantu, Mambo Nike, Nalufunu, Nakati Yatima Yabetu, Nina, Jean-Baptiste Nakutubati, Nasesina, Nantima Yabetu, Mbe Nakutubati, Mwana Mutu Kena Mbuiza, Kasi, Nakutala Kaka Ntima Mtinduina, Yake Sibabe, Betu Fanaku, Jiruka. La paix de Christ. Amen. Deuxième point. Convertissez-vous. Convertissez-vous. L'appel de Jean le Baptiste. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mettez-vous dans le pays, Lucas. Samouti, qui vous.
Frères et sœurs, concrètement aujourd'hui, de quoi devons-nous nous convertir? Quelles sont ces aspérités, ces souillures et aridités que nous devons abandonner? Nakilumbuya, dimanche yai, wakima, wakikima, betufana kubiga, uyamula, samuti betufuka, nakati ya sese, ya tima ya betu, nakati ya babima ina nyonsu betufuka kwa. Il suffirait de regarder lucidement nos comportements multidirectionnels pour stigmatiser ce dont nous devons nous éloigner. Montre-la mon total d'intimaya, n'a mon opé, n'a total d'intimaya mon, n'a mon tchatou ya bête, mais que l'anda va dire la mingi, la va dire la ina, mais que ça va, dire la ina qu'elle est la beauté, la sensila, la beauté, et que ça va y aller. Il me voit bien à ma couille, parce qu'il y a un tel anda qu'à dire la. Parce que mon truc est dans ma caca, et que la dame a dit là, à titre indicatif, nous savons tous que le syncrétisme est désormais à la mode de Mesa Abati, où l'âme a dit la Bible, que le motif du monde n'a que l'oubliaille, n'a pas que l'oubliaille. Le chrétien peut passer d'une obédience à une autre, baignant allègrement dans un mélange contradictoire, fait d'antipodes ontologiquement antagoniques. Avec malheureusement une conscience tranquille. Tout semble aujourd'hui se justifier par la prière. Betrila n'a pas dit la mingi, n'a dit la, y'a koufouanana, n'a y'a kakaïté à koufouanana, qu'à se mettre la koutou bati, y'a qu'à ka prière. Nous va dire la sikh à mama yaï, betrila koufouan à koussamila. Nous va dire la sikh à kate yaï, betrila koufouan à koussamila. On cuise à yin vanzai, betrila cuise à paix koussamila. Nzila mingi, va dire la yin à paix et koubana kafé. Contradiction, betrila koubaka yaïka koussam. Frères et sœurs, tout se justifie par la prière. Eh bien, je pose une question. Peut-on s'agripper, peut-on s'arrimer à la tradition ou à la tradition nous a mis à la coco et être en communion avec le Dieu de Jésus-Christ? Comment peut-on se cacher derrière le tikkun yabeto dans le cou pour justifier notre paganisme? C'est très curieux. Dès que la chose a dit, nous, les Israélites, nous avons dit, 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 nous avons curieusement, Dieu n'a-t-il pas condamné les pseudo-dieux des Astartés, des Amorites, des Madianites, des Philippiens et autres? Dieu les a condamnés. Il les a condamnés. Attention, le Dieu qui est en contradiction avec le Dieu qui a créé le ciel et la terre n'est pas un Dieu. Comment être réellement disciple de Jésus et continuer à invoquer Tikamsi? Expliquez-moi ça. Comment continuer à être disciple de Jésus et adorer Nzobi? Expliquez-moi ça. Comment être adepte d'une secte ésotérique? Les intelligents aujourd'hui parlent de philosophie. Très bien. Ces sectes que nous connaissons tous, que vous pouvez nommer. Comment être avec ces sectes et être avec Dieu à la fois, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu de Jésus-Christ? Comment comprendre à la fois l'adulation des musiciens? Je m'adresse là aux jeunes. Comment comprendre à la fois l'adulation des musiciens qui incitent à la débauche avec des chansons au contenu obscène et la louange de Dieu dans les églises par les mêmes jeunes chrétiens? Je danse des danses obscènes. Je suis pratiquement nu dans la rue lors des veillées mortuaires et ainsi de suite. Mais je suis le même à me retrouver dans le renouveau et à chanter Dieu. Expliquez-moi ça. Comment comprendre des pressions pour des mariages sans publication de bons, sans préparation, avec pour raison une logistique festive déjà prête? La belle fille. Amen. Il y a la patate. Ah, mon, déjà, on peut préparer le mariage à mon. C'est tel jour. Il y a quelque chose pour imposer dans Nganganzan. Moi, le premier janvier, je vais me marier. Alors, voilà mon programme. Déjà, faites mes bouées, ma salle, et tout ça va passer hier. Mais nous on appelle publication de bons faits. Qu'est-ce qu'il cache lorsqu'il ne fait pas de publication de bons? Et pourquoi être aussi pressé? Le mariage qui est un sacrement aussi précieux, comment on peut le galvauder en un mois? Il n'y a pas de mariage sans préparation d'au moins 3 mois. Minimum, au moins 3 mois. Et nous imposons les choses aux prêtres.
Malheureusement, pour mille raisons, il arrive, n'est-ce pas, que nous aussi nous puissions céder. Nous devenons alors complices. Comment comprendre l'exigence du baptême du concubin, du baptême du troisième bureau, tout en continuant à perturber un couple uni par le sacrement du mariage? Moukena Kati, Yabako et la paix, Kasi, Moukena Basika, Yabaka et Angana, Moukena Baka baptême. Maintenant, vous continuez à vous bénir ça, ma collègue Angana. C'est quel baptême? Expliquez-moi ça. Comment expliquer la paix du Christ? Ah, les femmes qui sont employées sont contentes. Non, ne nous arrêtons pas à ça. Comment expliquer la multiplication des mouvements d'apostolat, des communautés de vie nouvelles et en même temps la propagation du paganisme? Mouvement, c'est Rita, c'est ceci, c'est cela. On ne fait que créer des mouvements. Curieusement, dans les mêmes mouvements, quand les évêques ont décidé, les évêques que vous voyez, quand les évêques ont dit, désormais, ils ont observé la bagaille qu'il y a dans les mouvements. Ils ont observé ces roitelets-là qui ne veulent jamais partir. Ils ont observé aussi ceux-là qui veulent prendre le pouvoir. Ils ont dit, à partir de maintenant, c'est 3 ans. Et c'est bien contrôlé à partir de la conférence des évêques. Mais tout en mettant, n'est-ce pas, en surveillance, en travail, en collaboration, justement, la commission des laïcs, pour l'apostolat des laïcs, avec les responsables, dont les conseils pastoraux. Quand on a dit ça, les chefs ont tremblé, pété sur le fait, non, il y a même pas de ici. Mais enfin, vous servez Jésus-Christ, vous êtes là pour votre pouvoir.
mais sur la croix. Voici, dit Jean-Baptiste, venir derrière moi, celui qui est plus fort que moi. Il n'a pas dit voici venir David. Il n'a pas dit voici venir Hérode. Il n'a pas dit voici venir Pilate. Il a dit Jésus-Christ. L'appel est pris. Personne ne peut se mettre à la place de Jésus-Christ. Attends mon aussi, quel est fait, et la plus bague ainsi qu'à Jésus. L'appel est pris. Un exemple. J'étais à Divénier. Bon, quand j'étais encore de domicile, j'étais à Divénier. Vous connaissez la Divénier. Ça m'a dit Bakulaga Nanandan. On avait battu un prêtre. On avait Jean de Dieu, Bumba, voilà, Toloka. Voilà. Jean de Dieu, prêtre de domicile. C'était mon prêtre. Bakulaga Nanandan. Ah, merci. Quelqu'un a dit Binda. C'est juste Binda. Vous connaissez l'histoire. Je me suis trompé. Binda. Pas Divénier. Binda. Vous avez compris, non? C'est quoi? C'est où? Binda. C'est Binda, 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 Binda. Pas du Bénin. L'appel du Christ. Oui, à la frontière du Gabon. Alors j'étais là, Binda. Et bien, Bakula, mon père, on l'avait battu. Il était blessé. Et je suis allé d'Arda. On m'a dit, puis, Bakula, mon père, le mec, si tu ne viens pas le prendre, on va le tuer. J'arrive là-bas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Maman, il y a peut-être un peu réel. Si pas Bakula, mon père, sûrement qu'il y a un peu de la guerre, il y a un c'est ce que je me disais, attention, préjugé, tout est vrai que j'étais trompé. Et bien, quand j'arrive, à les réunions, les prêtres du Nzobi, les prêtres de quoi? Banganga Nzambia, Nzambia, Iki, Bakuza, Boutalamou, Betovani, Nakatia Mbongi. Mais je pense que ce journaliste a été présent, il se souvient. Betovani, Nakatia Mbongi. J'ai dit, mais vous avez battu ce prêtre. Mais tu m'as dit, ah, mon père n'est pas rien de bien. Je dis, mais dites-moi pourquoi vous l'avez battu. Je vous écoute, après je vais l'écouter. Si je commence par l'écouter, il va m'influencer. Mouké vous dit d'abord, ben, la chose était claire. Le prêtre d'une autre, il m'a dit ceci. Voilà, mon père, ça fait 3 jours. Elle ne met pas qu'à Saint-Sacrement, elle met ça à la procession, et elle dit, on n'a pas chrétien, la Katia, voilà, avec. Elle met nous taper, dans ma toile, il y a sanctuaire, il y a Nzambi, il y a Nzobi. L'appel du Christ. Amen. Depuis un moment, nous Nzambi n'a qu'à se faire un café. Vous comprenez ça? Oui. Depuis que le Saint-Sacrement est passé, c'est eux-mêmes qui l'ont dit authentique. Depuis qu'il est passé là, devant notre sanctuaire, là, c'est terminé. Nzambi a fait que tu et que ça, que tu as fait. Il ne répond plus. On a beau invoquer, il ne dit plus rien. Alors, prends ton prêtre, c'est pour ça qu'on l'a battu en étant. Il faut l'emmener. J'ai vu la maison de Dieu, j'ai dit, jeune homme, bravo. Tu viens de montrer qu'il n'y a pas un autre Dieu sur la terre. Amen. Tu viens de montrer que le seul Dieu, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Amen. J'ai posé la question, est-ce que tu es entré dans cette maison? Je ne suis pas entré. Et pourtant, il avait loupé, il y a une kaka. Mais le fait de passer, c'est fini, notre Dieu ne parle plus. Alors, je leur ai dit, mais il n'est pas Dieu. S'il était Dieu, il parlerait toujours. Je dis, bon, on s'en fout, mais on mène ton prêtre. Je dis, mais même si je l'emmène, Jésus va continuer à se balader dans ses rues. L'appel du Christ. Amen. Ne faisons pas de confusion. Ne faisons pas de confusion. Dieu est Dieu. Souvenez-vous de Naaman le Syrien, le général. Lorsqu'il s'est lavé dans le Jourdain, 7 fois sur l'ordre déguisé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout propre, il a reconnu. Désormais, je le sais. Il n'y a qu'un seul Dieu sur toute la terre, c'est le Dieu d'Israël. Alors attention, attention. Jean-Baptiste nous dit, lui qui est l'élu, lui qui prépare le chemin du Seigneur, il dit qu'il n'est pas digne de délier les lacets des sandales de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est l'unique. Il lance un appel au discernement pour ne pas être à la merci de n'importe quel maître. Tous ces maîtres qui pilulent dans nos rues, tout le monde est devenu berger. Tout le monde est devenu maître. On entre dans toutes les églises, mais souvent on entre pour Dieu et on sort avec Satan. Car il n'y a qu'un seul maître, c'est Jésus, fils du Dieu vivant. C'est lui qui annonce la première lecture. Lui, le rameau sorti de la source de Jessé, père de David. C'est lui qui ne juge pas sur l'apparence, qui ne prononce pas sur les rumeurs, qui ne juge pas sur les rumeurs, qui défend les âmes du pays.
C'est de lui que parle Colossiens 1, 15 à 20. Lui, Jésus-Christ, le maître de l'univers visible et invisible. C'est lui, Jésus, le maître de l'univers visible et invisible. C'est lui la tête du corps, c'est lui la tête de l'Église, et tout genou fléchira devant sa majesté. C'est lui, Jésus, le chemin, la vérité et la vie, seule référence valide et valable, valable et valide, la seule référence, c'est Jésus. Et saint Paul nous dit, en Galates 1, 6 à 12, celui qui proclame un autre évangile que l'évangile de Jésus-Christ, il est anathème. Yalina, que zonzila, que wakasa, que mwangasa, dinga yakaka, ina kele ya Yesuve, yani kena ndogo, yani kena ndogo ya, l'appel du Christ. Amen. Car lui seul, Jésus-Christ, nous aidera à résister aux dispersions, aux injustices de tout genre, aux opinions toutes faites, aux promesses faciles, aux messages de peur, de manipulation et d'intimidation de certains faux prophètes. Frères et sœurs, chers frères prêtres, distinguées autorités, frères et sœurs, chers consacrés, nous, évêques, en concluant notre retraite par cette Eucharistie, eh bien, par ma voix, dans cette homélie, nous voulons vous exprimer, à la lumière des textes de ce jour, notamment de ceux de l'Évangile, que la conversion nous concerne tous, nous en premier. Il ne s'agissait pas, lorsque nous nous sommes retrouvés à Yahoo, je le répète pour terminer, il ne s'agissait pas d'une réunion de travail, mais simplement d'un acte spirituel, d'un moment de conversion, d'un temps d'écoute et de remise en question, sans exclure qu'il s'est agi aussi d'un moment de célébration dans la joie et de la force de la foi dans le Christ, envoyé par le Père qui répond en nous son Esprit Saint. C'est ce que les évêques voudraient partager avec vous. Nous vous demandons donc instamment de retrouver et de réveiller votre amour inconditionnel pour notre Seigneur Jésus-Christ. Mettez Fungula, qui m'a béto, Samna Jésus-Christ Mwananzami, en proclamant sa louange parmi les nations, dans nos groupes d'évangiles, dans nos groupes de prière, dans nos mouvements d'apostolat, dans nos foyers, en produisant des fruits dignes de la conversion. Que personne, ne trouve des prétextes pour rester en marge. N'entendez pas de la coordination 40 ans et l'évangélisation, quand vous n'avez pas de la coordination, vous êtes en train de vous faire un peu de temps, vous êtes en train de vous faire un peu de temps, vous êtes en train de vous faire un peu de temps, vous êtes en train de vous faire un peu de temps, vous êtes en train de vous faire un peu de temps, vous êtes en train de vous faire un peu de temps. Puisse notre Sainte Mère du Ciel, Marie Notre-Dame de la foi, obtenir pour chacun de nous la grâce de nous convertir en rendant droit les sentiers de son Fils dans nos cœurs et dans notre quotidien. Puisse Saint François d'Assise et tous les saints intercéder pour nous, afin que, de tout cœur, nous soyons des chrétiens selon le cœur de Jésus-Christ. Amen. Amen. Thank you.
Thank you.
car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que nous levons au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même, de te prendre de ta droite, sanctifier le ton esprit, pour qu'elle devienne le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La lumière est livrée, et prit le pain, en te rendant grâce, et dit la bénédiction. Il remplit le pain, et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Et dans ce monde entier, le salut et la paix.
pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec mon serviteur, notre pape François et notre évêque Miguel, Monseigneur, bienvenue qui précède l'Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les personnes consacrées, les catéchistes, les pères et mères de famille et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta volonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouvent grâce devant toi notre prière. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Christ notre Seigneur, à qui tu donnes au nom toute grâce et tout bien. Thank you.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel par le Christ notre Seigneur. Archevêque métropolitain de Brazzaville, président de la conférence épiscopale du Congo. Monseigneur Urbain Gassongo, évêque de Gamboma, et vice-président de la Conférence des évêques du Congo. Monseigneur Victor Abania Mossa, archevêque métropolitain de Wando. Monseigneur Miguel Angel Olaveri, archevêque métropolitain de Pointe-Noire. Monseigneur Daniel Misonzo, évêque du diocèse de Caen. Secrétaire général de la Conférence des évêques du Congo. C'est déjà une tradition.
que nous avons repris cette année. Merci à vous tous parce que je sais que beaucoup de communautés ont prié pendant cette semaine pour que cette retraite des évêques se passe vraiment dans l'intimité avec le Christ. Monsieur Manamika nous a tracé quelques aspects de cette retraite, mais nous avons vraiment été ravis de pouvoir trouver ces cadres tranquilles en dehors de nos occupations et nos soucis de chaque jour. Merci beaucoup pour vos prières. Merci aussi à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont été un peu nos bienfaiteurs pour que cette session puisse se tenir correctement et dans de bonnes conditions. À vous, mes frères dans l'Épiscopat, et à vous, chers fidèles de notre archidiocèse, je voulais vous dire ceci à trois niveaux, comme souvenir un peu de cette rencontre d'aujourd'hui. La première, vos évêques du Congo, en cette année, le 140e anniversaire de l'évangélisation, qui a déjà démarré et qui finira le 4 mai, ont décidé pour tous les diocèses du Congo qu'il y ait une participation de chaque chrétien. Vous le trouverez déjà avant Noël, c'est ce qu'on appelait un peu la participation diocésaine ou un pro-diocésaine pour tous. Aussi les prêtres, aussi les religieux et religieuses, tous les laïcs, les adultes, les jeunes, les enfants, tout le monde. C'est une affaire de tous. Nous devons être fiers au niveau national parce que l'évangélisation commence ici, sur la terre de Luango, dans notre archidiocèse. Et nous nous rappelons des choses qui sont très très belles, en même temps, d'un sacrifice énorme quand cette évangélisation a commencé. Au niveau national, donc, tous les chrétiens du Congo vont participer à cette contribution spéciale pour que, avant la fête des Pâques, tout soit recueilli dans les différents procures diocésaines pour participation à ces actes qui auront lieu. Mais en même temps, cette évangélisation se célèbre dans les différents diocèses. Ce qu'on fait dans l'Épiscopat, nous, au niveau diocésain, le 2 novembre, quand j'ai été avec beaucoup de religieux, religieuses, prêtres, laïcs, aussi rendre hommage à ceux qui nous ont précédés dans la foi au cimetière de Luango, j'ai cité ce 140e anniversaire et je me suis engagé avec vous tous, je compte sur cela, à refaire entièrement le cimetière de Luango, les tombeaux, les lieux, pour que vraiment ça se présente et que ça se conserve, ces lieux où reposent tous ceux qui ont travaillé avant nous, certains nous ont laissés il n'y a pas longtemps, puissent être aussi continuer à être, puisque c'est assez bien conservé, mais nous allons repeindre un peu tous les croix, refaire un peu les bordures du tombeau, les mettre en condition et refaire d'autres endroits. Ça sera pour nous donc une souscription populaire. Que tous ceux qui veulent aider un tout petit peu, et je vous invite à le faire spontanément. Il n'y aura pas de contrôle dans les paroisses, il n'y aura pas. Ça sera quelque chose que je vous invite à faire spontanément à travers le secrétariat de l'évêché, exprès pour que nous puissions refaire un peu tous ces liens qui représentent pour nous autant les évêques qui sont enterrés que ceux qui nous ont précédés. Au niveau aussi diocésain, chers frères dans l'Épiscopat, nous avons décidé de mener la campagne cette année pour nous occuper un peu plus spécialement de notre foi. Et avec la thématique de la synodalité, nous avons commencé à travailler dans nos paroisses les sacrements de l'Église. On s'est dit, on les connaît, parce que parfois on est baptisé, nous communions tous les jours, parfois on s'approche de la confession de temps en temps, on reçoit les différents sacrements, mais nous nous sommes dit, prêtres, religieux, religieuses, laïcs, ensemble, faisons ce chemin ensemble en réfléchissant toute l'année. Vous savez que nous avons, nous, les prêtres, religieux, religieuses, une formation permanente une fois par mois pour préparer le thème de chaque mois. Et après, dans les paroisses, je vous invite à être fidèles à cet engagement. Merci beaucoup aussi au niveau local parce que nous sommes près de Noël et depuis deux semaines, je vous ai lancé dans cette campagne de Noël.
où j'ai mis un accent particulier, comme chaque année, à nos chers prisonniers, les détenus. Vous savez que votre évêque célèbre toujours les jours de Noël à la maison d'arrêt, les jours de Pâques. Merci de cette présence. Vous l'avez exprimée aussi par ces mandats de ce matin. Certains me l'ont dit directement, merci. Et d'autres l'ont fait déjà les deux semaines qui passent, en passant au secrétariat de l'évêché, à l'évêché directement pour déposer vos dons. Et je vous ai dit dans ma lettre d'il y a deux semaines que je voudrais aider cette année spécialement nos 15 paroisses de la zone rurale qui sont plus isolées, qui ont plus de difficultés pour participer à tout et qui parfois ont des difficultés aussi pendant ces fêtes pour pouvoir célébrer avec les communautés chrétiennes. Votre solidarité va nous aider à cela. Il y a aussi, et Tata Firmin vient de nous rappeler cela, mais je le rappelle quand même parce que c'est un bon moment de ce que nous vivons cette année, ça a été le renouvellement et de nos bureaux, des nouveaux mouvements, groupements. C'est vraiment une démarche de synodalité, le fait de refaire, de recommencer en tenant compte de tout le travail qui a été fait, mais de faire confiance à d'autres personnes, c'est ainsi qu'ils l'ont voulu nous percevoir. C'est quand même un geste fort de synodalité. Je vous inviterai à prier pour la paix pendant tout ce temps-là, tout ce temps de Noël spécialement. Je suis le prince de la paix et nous vivons des temps difficiles pour la paix. Continuons à prier pour cette paix dans les différents dans les pays qui souffrent de violence, mais pour la paix dans nos foyers, pour la paix dans nos cœurs, que nous puissions nous réconcilier. Et Mme Ika nous a invité à cela à travers la parole de Dieu aujourd'hui. Revenir au Seigneur, voilà, pour la paix dans nos foyers. Et cette semaine spécialement, je finis par là et prier pour vos prêtres. Ils vont passer, nous aurons deux semaines de retraite spirituelle en deux groupes différents. Le premier groupe commence cet après-midi, cette soirée, et finit samedi à midi. Et le deuxième groupe, dimanche prochain jusqu'à samedi 17. Prions pour eux. On vous a présenté le Père Géry, qui est là, qui est arrivé de Kinshasa, pour animer cette retraite. Le Père Géry, beaucoup d'entre vous le connaissent très bien, puisqu'il a travaillé à la paroisse Santa Bosco quelques années dans l'animation de la pastorale de jeunes. Et il vient pour nous presser la retraite, mais comme il est bon salésien, il m'a dit hier par ambassade, Miguel, est-ce que je peux disposer d'une guitare pour l'animation de la retraite? Je lui ai dit, compte sur cela. Il est un grand musicien, certainement qu'il veut aussi nous accompagner dans ce domaine-là, que notre prière ne manque pas et à cette rencontre d'intimité avec le Seigneur pour nos prêtres. Deux évêques n'ont pas été présentés puisqu'ils n'étaient pas là. Je les rappelle, Monseigneur Toussaint Goma Foumané, évêque de Tolisi, et qui a dû partir ce matin parce qu'il prenait l'avion pour partir en Centrafrique, il ne pouvait pas rester. Et puis Monseigneur Daniel Sika, évêque de Infondo, qui n'a pas été avec nous à la retraite parce qu'il avait, avec la sœur Clarisse au niveau de l'éducation nationale, un congrès en Europe, et il n'a pas pu participer. Mais tous les deux, donc, font partie de notre conférence épiscopale du Congo. Un grand merci à tous et que le Seigneur vous bénisse. À vous, chers confrères dans l'épiscopat, merci. Je vous présente mes excuses s'il y a eu des choses pendant votre séjour qui n'ont pas été trop parfaites, mais sinon, comptez toujours sur la prière de ces communautés, de cette diocèse et de cette archidiocèse, on écrit en carrière avec nous. Nous préparons aussi des grandes rencontres de juillet pour les jeunes et nous avons aussi distribué les catéchèses dans toutes les paroisses pour travailler pendant 7 mois ces rencontres des jeunes qui vaut la peine puisque ça dynamise la foi dans nos communautés. À vous tous, bonne fête, bon chemin vers Noël, bon avant. Merci. Matone na kaka Miguel, Angel ou la veille.
Monseigneur Guillaume, tout s'est bien passé. Pas d'inquiétude, tous les évêques sont contents. Merci pour l'accueil de toujours sur cette terre mythique de Pointe-Noire, terre d'évangélisation. Merci beaucoup. Merci. Merci. Namboanou na paroisse yaye. Merci na belle nyoso. Pété na kilingi. Yaye ni mambo ya tete. Mambo ya zoe. Soyons fiers de notre foi chrétienne catholique. Mais tout va dans l'Isaïe, na vous vende dans la carte à l'Ibundo et à la chrétienne catholique. N'ayons pas honte de notre foi, soyons fiers d'être chrétiens catholiques. Mambo ya tete.
ma main là, pas besoin que ce soit ma toile.